Bonjour, je me présente Jean-Freddy Frontini, je suis le gérant de la société SAS GFB Développement. C'est une société qui est à la base dans le but de reconstruire de belles vieilles voitures et de remettre en valeur un petit peu tout ce qui est voiture de prestige. C'est une société qui a été ouverte il y a 2 ans et demi maintenant, qui emploie 5 personnes. On est quand même axé sur de la clientèle qui se situe sur la Suisse, sur l'Italie, sur l'Espagne. On a un client qui vient du Gabon et qui nous a apporté sa traction avant qui s'appelle Pénélope. C'est la traction avant d'Albert Camus qui est en reconstruction actuellement dans nos locaux. On est vraiment dans l'étude, la reconstruction de la carrosserie ou des parties mécaniques manquantes. Donc forcément, ça implique beaucoup d'heures de travail et quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup plus fini qu'une voiture lambda. La reconstruction de l'atelier devenait nécessaire de manière à pouvoir accueillir un plus grand nombre de véhicules et de passionnés, et aussi en même temps de pouvoir répondre à certaines exigences qui sont dues souvent à l'éclairage dans notre domaine, qui demandent des éclairages relativement puissants et en même temps avec un faible éblouissement, avec un minimum de reflets. C'est quelque chose de très très compliqué suivant les hauteurs de plafond qu'on a, suivant les volumes, et c'est vrai que travailler un bel éclairage dans une zone aussi vaste demande vraiment un savoir-faire, et c'est en côtoyant Yes qu'on a réussi à trouver l'équilibre parfait entre la luminosité sans éblouissement, mais en même temps la puissance sans non plus avoir une brillance absolue sur des véhicules ou des endroits où on a besoin d'avoir juste un reflet faible. Et c'est la technicité était là, elle était apportée par les solutions Yes. On parle de l'éclairage, mais on avait besoin pour les ateliers d'avoir quelque chose de très fluide et quelque chose qui nous permettait de ne pas avoir des fils qui se baladent partout. Donc c'était vraiment un souhait chez nous d'avoir des postes adaptés avec tel ou tel type de prise, avec des interrupteurs de montée dessus sur lesquels on pouvait commander des postes de travail et avoir des types différents de prises suivant le besoin de 120 ou triphasé sur les postes. Donc c'était quelque chose qui a été apporté en solution aussi à travers la partie Yes qui nous a proposé de nous faire des coffrets à la demande. On se trouve dans la partie showroom qui nous sert aussi de pose de véhicule. Quand un client vient chercher son véhicule, on s'installe et on discute un petit peu de toute la reconstruction. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc on a un lieu qui est très lumineux, qui en même temps peut être descendu en luminosité de manière à créer une ambiance plus sympa, plus feutrée. Nous, chez nous, on est une petite entreprise à taille humaine dans laquelle on a l'habitude de côtoyer des gens qui sont des belles personnes qui ont bien réussi dans le monde où on vit aujourd'hui et qui ont cette facilité de discussion simple, généreuse et en même temps juste. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé à travers Yannick qui a su se poser à travers nos questions, à travers nos besoins et puis qui a su nous aiguiller tout en ayant cet esprit de convivialité. Et Yannick, c'est une personne qui est très facile à aborder, avec qui on a un relationnel qui passe très bien et qui est capable de nous apporter des solutions techniques sur tout type de sujet électrique.